Horoscope du Scorpion pour le mois de mai 2023. Cher Scorpion, le mois de mai 2023 sera une période d'évolution importante pour vous, tant sur les plans personnels, amoureux, professionnels et de la santé. Le temps est venu pour vous de prendre des décisions cruciales et d'embrasser les changements qui vous permettront de vous épanouir pleinement. Pour vous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses, nous avons préparé un horoscope détaillé qui vous guidera tout au long du mois. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse email. Vous recevrez chaque matin votre horoscope et mes guidances personnalisées directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Revenons à votre horoscope pour le mois de mai 2023. Plan personnel. Le mois de mai commence avec une intensification de votre énergie créative, grâce à la position de Vénus dans votre maison de la créativité et du plaisir. Cette énergie vous pousse à explorer de nouvelles activités, à repousser vos limites et à exprimer pleinement votre potentiel. Que ce soit en apprenant un nouvel instrument, en vous adonnant à la peinture, ou en vous essayant à l'écriture, c'est le moment idéal pour vous épanouir et embrasser votre potentiel créatif. Votre confiance en vous sera renforcée par la présence de Mars dans votre signe au cours de la première moitié du mois. Cette énergie martienne vous donne le courage d'affronter vos peurs et d'aller de l'avant avec détermination. Ne laissez pas les doutes vous retenir, car vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Cependant, prenez garde à ne pas laisser cette confiance se transformer en arrogance, car cela pourrait nuire à vos relations avec les autres. Essayez de rester humble et d'écouter les conseils et les opinions de ceux qui vous entourent. Amour. Côté cœur, le mois de mai sera rempli de surprises et d'opportunités. Les célibataires auront la chance de rencontrer des personnes intéressantes, grâce à l'influence de Vénus dans leur maison de l'amour. Soyez ouverts aux nouvelles rencontres et ne laissez pas les expériences passées vous empêcher de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Pour les scorpions en couple, la première moitié du mois sera placée sous le signe de la communication et de la compréhension mutuelle. Vous serez en mesure de résoudre les problèmes qui ont pu s'accumuler ces derniers temps, en vous écoutant mutuellement et en faisant preuve d'empathie. Cela renforcera votre relation et vous aidera à vous rapprocher de votre partenaire. Néanmoins, la seconde moitié du mois pourrait être marquée par des tensions et des conflits. Il vous faudra donc redoubler d'efforts pour maintenir l'harmonie dans votre relation. Essayez de rester calme et de ne pas vous laisser emporter par des émotions négatives. Santé, sur le plan de la santé, le mois de mai vous réserve également des défis. Vous pourriez être confronté à des problèmes liés à la fatigue et au stress, en particulier au cours de la première moitié du mois. Pour prévenir ces problèmes, veillez à prendre soin de vous en vous accordant suffisamment de repos et en évitant les situations stressantes. Adoptez également une alimentation équilibrée et pratiquez une activité physique régulière pour renforcer votre système immunitaire et améliorer votre bien-être général. La pratique de techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, peut également vous aider à gérer votre stress et à maintenir un état d'esprit serein. Au cours de la seconde moitié du mois, les étoiles vous seront plus favorables sur le plan de la santé. Vous pourrez profiter d'une meilleure énergie et d'une résistance accrue face aux maladies. Cependant, ne prenez pas cette amélioration pour acquise et continuez à prendre soin de vous, afin de préserver votre vitalité. Travail. Mai 2023 sera un mois crucial pour votre carrière, cher Scorpion. La présence de Jupiter dans votre maison du travail et de la réussite professionnelle indique que de nouvelles opportunités se présenteront à vous, mais également que des défis seront à relever. Si vous cherchez un emploi, le début du mois pourrait être le moment idéal pour passer des entretiens et envoyer des candidatures. Les astres vous soutiendront dans vos efforts et vous aideront à faire bonne impression sur les recruteurs. N'hésitez pas à mettre en avant vos compétences et votre détermination pour décrocher le poste de vos rêves. Pour ceux qui sont déjà en poste, le mois de mai sera marqué par des projets stimulants et des responsabilités accrues. Vous devrez faire preuve d'organisation et de discipline pour mener à bien vos tâches et vous démarquer auprès de vos supérieurs. Cependant, n'oubliez pas de préserver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Ne sacrifiez pas votre santé ou vos relations pour le travail, car cela pourrait nuire à votre bien-être à long terme.
Avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler que j'ai mis en place un service gratuit d'horoscope quotidien et de guidance personnalisée pour vous par email. Je vous invite à cliquer sur le lien en description et renseigner votre email, ainsi vous recevrez tous les matins gratuitement votre horoscope directement dans votre boîte mail. Il s'agit d'une opportunité unique de recevoir mes prévisions astrologiques sur mesure, et ainsi vous aider à naviguer dans votre journée avec confiance et clarté. En résumé, le mois de mai 2023 sera une période de changement et d'opportunités pour les natifs du signe du Scorpion. Que ce soit sur les plans personnels, amoureux, professionnels ou de la santé, vous aurez la possibilité de vous épanouir et de progresser. Pour tirer le meilleur parti de ces énergies, restez ouvert aux nouvelles expériences, prenez soin de vous et de vos proches, et n'hésitez pas à relever les défis qui se présentent à vous.